Panorama Info. Le chant que vous venez, dont vous venez d'entendre un extrait, c'est le Notre Père, tout simplement. Et oui, le Notre Père, mais le Notre Père en arménien, en langue arménienne. Et je l'avais enregistré, c'est incroyable, je l'avais enregistré dans une petite chapelle du village de Sorioditenda, en Corse. C'était donc l'introduction du sujet d'aujourd'hui. Durant notre émission du jour, j'ai le plaisir d'avoir un invité que je vais vous présenter, qui va se présenter lui-même d'ailleurs. C'est Monsieur Rafi Yeramian, qui est un bastier d'adoption et d'origine arménienne. Je n'en dis pas plus, je lui cède la parole pour qu'il puisse se présenter brièvement. Bonjour Hervé. Donc, oui, je suis bastier depuis bientôt 3 ans. Je suis petit-fils d'un déporté du génocide de 1915. Je suis né à Beyrouth en 1959. Ayant vécu toute mon enfance à Beyrouth, dans un quartier arménien, avec une intégration 100% arménienne, et on a eu l'opportunité en 72 d'immigrer en France avec ma famille. On sentait déjà qu'il y avait une guerre qui se préparait. Donc vous avez 13 ans. J'avais 13 ans, oui, j'avais 13 ans. Et cette année, au mois d'août, ça fera 50 ans que je suis en France. Donc voilà. Et je suis arrivé avec toute ma famille. Je ne parlais pas un seul mot de français. Il a fallu que j'apprenne la langue française. Voilà. Donc, à 13 ans, on apprend vite quand même. Oui, mais vous savez, j'avais appris l'anglais, l'arabe et l'arménien, parce qu'il faut savoir qu'au Liban, quand vous êtes dans une école, j'étais dans une école protestante, voilà, pour pas les nommer, et dans les écoles protestantes, on apprenait l'anglais. Tout simplement parce que l'école se trouvait à 5 minutes de notre domicile, c'était plus facile pour ma mère de me mettre dans une école à côté. Donc voilà, la raison principale pourquoi je ne savais pas parler français. Donc voilà, arrivé à 13 ans avec mes sœurs, ma famille, et puis on s'est intégré, donc tout un chacun, comme chaque Arménien a fait depuis le génocide. À chaque fois qu'un Arménien s'est retrouvé dans un pays, la première chose c'est l'intégration, d'apprendre la langue, d'apprendre les coutumes, et de donner 10 fois ce que le pays nous donne. Donc voilà. Le beau thème de l'intégration qui a été très populaire ces derniers temps en France lors des derniers événements politiques que nous avons connus. Je pense que chacun voit l'intégration un peu à sa manière, mais effectivement, je pense que les Arméniens sont, d'une manière générale, je ne veux pas faire de généralité, mais sont un bel exemple d'intégration dans la société française, n'est-ce pas? Oui, bah, si vous voulez, pourquoi on s'intègre facilement? Parce qu'on a été élevé. On a une certaine éducation. C'est dû à nos parents, nos grands-parents. C'est d'abord le respect. Ça, c'est la base de notre éducation. C'est de respecter tout le monde. Et quand on va dans un pays, on nous accepte, bah, on doit respecter le pays. C'est un minimum. Si je ne comprends même pas
Moi, je suis fils d'immigré. Quand je vois aujourd'hui des gens qui arrivent, qui s'intègrent mal, qui ne veulent pas s'intégrer, je ne comprends pas. Moi, ça m'échappe. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous rejoignons. Et vous connaissez bien sûr l'adage romain ou latin. À Rome, fais comme les Romains. Mmh. Et ça, c'est un adage qu'on devrait toujours appliquer. Quand moi, qui ai vécu pendant plus de 30 ans en dehors de la Corse, en dehors de la France, eh ben, j'ai toujours cherché à m'adapter aux us et coutumes des pays où je me trouvais. Et aujourd'hui, ben, ce qui fait ma personnalité, c'est certainement des éléments que j'ai grappillés dans les différentes sociétés où j'ai vécu. C'est ça aussi, l'intégration, ou en tout cas, au moins l'adaptation. Je pense qu'on est un peuple, d'abord, bah, du fait de notre histoire terrible, début 20e. Moi, j'ai de la famille un peu partout sur la Terre, hein, donc en Australie, en Norvège, en Argentine, aux États-Unis, mais personne n'entend parler en mal des Arméniens, parce que tout simplement, on est là pour construire quelque chose. Parce qu'on est des constructeurs, on est des bâtisseurs. La preuve est que si vous souhaitez visiter notre pays aujourd'hui, en matière de bâti, bah, il n'y a pas plus beau que les églises arméniennes quoi, aujourd'hui sur Terre. Donc voilà, quoi. Ça note notre façon de faire. Voilà. Et n'oublions pas les pages glorieuses et tragiques écrites par les Arméniens sous l'occupation en France, durant la Résistance. Je pense bien sûr à Missak Manouchian, qui est mort pour la France, alors que, bon, je ne l'ai pas connu, mais je suppose qu'il parlait assez mal le français, puisqu'il est arrivé à l'âge adulte en France. C'était un déporté aussi du génocide. Oui, exactement. Il a vécu l'horreur, pour il s'est sauvé, et il a fallu qu'il tombe sur le deuxième horreur. Et voilà. C'est quand même extraordinaire. Deux génocides, il a connu deux régimes génocidaires durant sa courte vie, puisqu'il avait quel âge à sa mort? 39-40 ans. Oui, c'est ça. Oui, j'ai été heureux d'ailleurs, lors de mon voyage à Erevan, de voir le jardin public Missak Manouchian, qui était tout près de mon hôtel. J'y ai longuement déambulé et médité. Bien, alors la raison principale de pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de vous inviter aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans les gares SNCF, on c'était toujours écrit « un train peut en cacher un autre ». Et bien, en ce moment, depuis quelques semaines, depuis 90 jours je crois, je dirais « un conflit peut en cacher un autre ». Nous avons le conflit ukrainien qui monopolise presque la totalité de l'actualité. Ça ne remet pas en cause du tout la sympathie, mes propos ne remettent pas en cause la sympathie que j'ai pour le peuple ukrainien qui se bat contre un ennemi puissant pour défendre son indépendance, sa terre, et j'ai beaucoup de sympathie pour les Ukrainiens. Malheureusement, moi j'avais vécu de près, et vous encore plus, bien sûr, Rafi, le conflit de l'Artsar qui s'est déroulé un peu plus d'un an avant le conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je rappelle pour nos auditeurs qu'à l'automne 2020, pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan a attaqué, sans aucune provocation de la part du côté arménien, a attaqué, envahi, bombardé le territoire de l'Artsar, qui est un territoire, j'en ai souvent parlé sur ces ondes, peuplé d'Arméniens depuis des milliers d'années, mais que Staline avait donné à l'Azerbaïdjan, qui était une république socialiste soviétique comme les autres, comme l'Arménie, comme les autres, comme la Russie et comme l'Ukraine à l'époque. Donc c'était un simple découpage administratif, mais à l'éclatement de l'Union soviétique, ces frontières absurdes dessinées par Staline et ses camarades sont devenues les frontières internationalement reconnues par les Nations Unies et par la communauté internationale, ce qui fait que, d'un point de vue de la légalité internationale, effectivement, il est indéniable que
ce territoire qu'on appelle Haut-Karabakh, c'est-à-dire l'Artsakh, fait légalement partie, ça me blesse presque la langue quand je dis ça, mais c'est comme ça, de la République d'Azerbaïdjan. Mais les Arméniens du Haut-Karabakh ont tenu un référendum lors de l'éclatement de l'Union soviétique et sont prononcés à une écrasante majorité pour l'indépendance. Ils ne voulaient pas dépendre, ils ne voulaient pas faire partie de l'Azerbaïdjan, qui est un pays, je le rappelle, à majorité musulmane et turcophone. Et entre les deux, ils auraient certainement préféré se rattacher à l'Arménie, mais bon, faute de pouvoir le faire, parce que là, ça aurait été une provocation internationale, ils ont opté pour l'indépendance. Et donc, depuis, l'Artsakh vivait de manière indépendante ou autonome, en tout cas, mais n'était reconnue par personne. Et en septembre 2020, l'Azerbaïdjan, qui a profité de l'argent du pétrole pour acquérir beaucoup d'armes modernes, a attaqué. Alors, pendant cette guerre, je vous passe la parole après, je parle trop, je sais, pendant cette courte guerre de 44 jours, il y a eu proportionnellement par rapport à la population de l'Artsakh, et même par rapport à la population de l'Arménie, je dirais, davantage de morts que les morts qu'il y a eu depuis les 90 jours, depuis le début de la guerre d'Ukraine. La seule différence, c'est que les Artsakhiotes se sont réfugiés massivement en Arménie, depuis beaucoup sont rentrés chez eux, mais ils ne sont pas allés en Pologne, ils ne sont pas allés en Roumanie, ils ne sont pas allés en France, donc on en a parlé beaucoup moins. Alors, moi je m'élève toujours contre le deux poids deux mesures, et je n'ai pu qu'être choqué par ce deux poids deux mesures entre les traitements de ces deux conflits. Voilà, je vous cède la parole. En fait, le problème de l'Artsakh est la faute de l'Arménie. Quant à la sortie de la guerre en 1994, quand on a gagné contre l'Azerbaïdjan et qu'on a signé un traité de paix en disant que l'Artsakh est indépendante, entre guillemets, c'est à ces peuples-là que l'Arménie devait intégrer l'Artsakh. Sauf que la plupart des gens le savent. À l'époque, la Russie était en pleine déconfiture et que personne n'a osé aller contre la Russie, malgré tout. Et au lieu d'intégrer l'Artsakh en Arménie, on a dit, de toute façon, aujourd'hui, on a d'autres soucis que de s'occuper de l'Artsakh. Et on a laissé faire, parce qu'on avait gagné une guerre. C'était une guerre vraiment terrible, hein. Il faut le savoir, qu'il y a eu plus de 30 000 morts. Hein, donc, et on s'est dit, de toute façon, ça ne va pas bouger. Sauf que, pendant 30 ans, nos chers dirigeants qui ont gouverné le pays, l'Arménie, bien sûr, on parle d'Arménie, les républiques d'Arménie, voilà, n'ont jamais eu le courage d'intégrer l'Artsakh, tout simplement. Il y a un phénomène qui s'est passé très important en 1999. Il y a eu un assassinat dans l'Assemblée nationale. Celui, le Premier ministre Vazken Sarkissian, qui était un pro-occidental, qui voulait absolument se détacher de la Russie, on l'a assassiné. Donc ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'Arménie est restée sous le joug de la Russie. Et la Russie est arrivée Poutine en 2000 et c'était terminé, quoi. Et tout le monde aujourd'hui ne prêche que pour la Russie. C'est fou, parce que la Russie s'est amusée avec l'Arménie. L'Arménie, aujourd'hui, c'est le vassal de la Russie. C'est-à-dire que la guerre de 44 jours de septembre 2020 a été une façon de manipuler les gens et que Poutine a laissé faire. Donc voilà. Je rappelle que la Russie dispose de deux bases militaires en Arménie, sur le territoire arménien, et que l'Artsakh, ce qui reste de l'Artsakh, c'est-à-dire l'Artsakh libre, dirigé par le gouvernement Artsakhiote, c'est-à-dire la partie qui n'est pas occupée par l'Azerbaïdjan et qui a été vidée de ses habitants Artsakhiotes. Donc ce territoire de l'Artsakh ne doit sa survie qu'à la présence de l'armée russe sur ce territoire. Moi, quand j'y suis allé en décembre 2020, j'ai effectivement dû montrer patte blanche aux soldats russes. J'ai traversé de nombreux
barrage routier pour accéder à l'Artsar, et j'ai vu la présence russe, naturellement, en Artsar. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait mal, cette invasion barbare de l'Ukraine, parce que j'étais revenu d'Artsar avec, je dirais, presque une opinion, je dirais pas positive, mais sympathique à l'égard des soldats russes, parce que je me disais, heureusement qu'ils sont là. Bon, alors, mais ce qui est intéressant dans la situation que nous vivons actuellement, et là j'aimerais bien avoir votre éclairage, c'est qu'il est devenu extrêmement compliqué aujourd'hui de soutenir l'Arménie et l'Artsar, parce que justement, l'Arménie et l'Artsar se retrouvent côté russe. Et aujourd'hui, il est mal vu ou malvenu d'exprimer de la sympathie pour tout ce qui est russe. On est du côté ukrainien. Eh bien, moi, je fais partie des gens qui sont à la fois pro-arméniens et pro-ukrainiens. C'est compliqué, mais c'est sûr que l'Arménie se trouve dans une position diplomatique difficile, parce que, comme vous l'avez souligné, elle est un peu vassale de Moscou, donc de Poutine. Pas un peu. Un peu beaucoup. Et que si l'on veut soutenir l'Artsar, eh ben, il faut aussi soutenir la présence russe là-bas. Parce que s'il n'y avait pas la présence russe, il n'y aurait plus d'Artsar. Donc c'est un peu compliqué tout ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors il faut juste faire une petite parenthèse. Il faut savoir que en 1921, quand il y a eu le traité de Sèvres, 1920, pardon, traité de Sèvres qui donnait à l'Arménie un territoire défini. Qui n'a jamais été appliqué. Il n'a jamais été appliqué. Il y a eu le traité de Lausanne derrière qui a été appliqué. Là-dessus, les Russes et les Turcs se sont entendus. C'est-à-dire qu'ils ont dépecé. Sur le dos des Arméniens. C'est-à-dire que la région de Kars où les grands-parents de ma femme se trouvaient, se retrouve aujourd'hui en Turquie. Voilà. Donc, et l'Artsar et le Nakhitchevan a été donné à l'Azerbaïdjan pour justement manipuler le peuple arménien, quoi. Hier, à la télévision, j'aime pas beaucoup les actualités des grandes chaînes de télévision, mais je me suis pris, c'était sur la 2, je crois. J'ai vu, pour une fois, un très beau reportage sur ce qu'ils ont appelé l'Orient Express turc. Un train qui va de, je crois, Istanbul jusqu'à Kars, jusqu'à la frontière arménienne. Reportage magnifique. Mais j'étais indigné en même temps, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reportage. Non, dans la fin du voyage, justement, on traversait toutes ces villes qui sont des villes historiquement arméniennes, et le terminus, c'était la frontière de l'Arménie d'aujourd'hui. Mais on a montré des églises qu'on a qualifiées d'églises chrétiennes, bah oui, sans mentionner que c'était des églises arméniennes, de style tout à fait reconnaissable, en tout cas pour moi. Et ça m'a fait mal que le journaliste ou le reporter n'ait pas eu l'idée de rappeler que toutes ces zones, c'est ce qu'on appelle l'Arménie occidentale, qui est plus vaste que l'Arménie actuelle, et qui fait aujourd'hui partie de la Turquie, et qui a été vidée de sa population arménienne par le fer, par le feu, par le sang. Mais c'est pas, vous savez, les journalistes qui osent dire les choses comme vous dites, à mon avis, ils sont vite mis sur l'état noir, parce qu'aujourd'hui, il y a une manipulation qui est faite qu'on ne touche pas à la Turquie. Voilà, on ne touche pas à la Turquie, comme on ne touche pas à l'Ukraine, parce que ces deux pays, bah voilà, donc on a besoin de ces gens-là, parce qu'on fait du business. Voilà, il n'y a pas d'humanité, ces gens-là. Dans la situation géopolitique que nous vivons aujourd'hui, passionnante d'ailleurs, hein, je trouve ça passionnant, même si c'est tragique. Depuis 90 jours, il y a un pays qui a vraiment admirablement su tirer son épingle du jeu, c'est la Turquie. La Turquie qui était mal vue, qui était critiquée, avec raison pour beaucoup de choses, notamment pour son soutien à l'Azerbaïdjan, la Turquie est devenue aujourd'hui le pays incontournable, parce que c'est le pays qui fait frontière avec l'Ukraine et avec la Russie, c'est le pays qui contrôle l'accès à la mer Noire et qui peut faire la pluie et le beau temps dans ce conflit ukraino-russe ou russo-ukrainien et qui est membre de l'OTAN. Donc vraiment, il y a eu un retournement géopolitique depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Non mais ça remonte justement au début 20e, quand ils se sont entendus sur notre dos
La Turquie et la Russie se sont toujours entendus. Il y a eu juste une époque, pendant la guerre froide, ils étaient très froids parce que l'URSS et puis l'OTAN, ils étaient contre. Mais depuis 20 ans, Erdogan est un proche de Poutine. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'entendent. Et les deux personnages ne sont pas sans point commun, d'ailleurs. Bon, l'un est musulman, l'autre se dit orthodoxe, même si je doute la profondeur de sa foi. Mais je trouve ce côté un peu machiste, un peu homme fort, homme providentiel, je trouve leur itinéraire et leur façon de diriger leur pays respectif assez comparable. Ils ont éliminé toute opposition dans leur pays. Absolument. Donc, et on continue. La guerre d'Ukraine, c'est la conséquence de 30 ans. Les Européens, les Américains, les Européens ont fermé les yeux sur le personnage. C'est-à-dire que nous, moi, Arménien, ma femme, encore pire, parce qu'elle a vécu pendant 20 ans en Russie, et on savait qui c'était Poutine. Les Européens fermaient les yeux. Toutes les grosses sociétés, Auchan, la Société Générale, ils ont investi des milliards et des milliards. Renault. Et ces gens-là, ils disaient, de toute façon, Poutine, on peut faire du business. Non, on fait des business, mais à un moment donné, vous allez le payer. Et voilà, aujourd'hui, les conséquences, ça. C'est-à-dire qu'ils ont trop laissé faire ce personnage. C'est notre argent. La guerre d'aujourd'hui, c'est l'argent occidental qui est un retour de bâton, voilà, quelque part. Il y a une conséquence, je fais un peu d'humour, là, une conséquence bénéfique pour le peuple russe, malgré tout. J'ai appris hier qu'ils étaient enfin libérés de la malbouffe américaine, puisqu'il y a une grande enseigne, donc que je ne citerai pas ici, qui colonise le monde entier depuis la place Tiananmen jusqu'aux Champs-Élysées, qui met fin à ses activités en Russie. Oui, mais c'est pas la seule société. Hein. Mais ce qui est malheureux, c'est ces gens qui travaillaient dedans. Bien sûr. Ces gens-là vont ça va être repris par une enseigne russe, oui. Comme pour Renault. Oui. Les Renault produites en Russie vont reprendre l'appellation de Moscovitch, parfois l'ancienne appellation. Le problème, c'est que la base de salariat était une base, même si c'était en Russie, il y avait des bases françaises, ils vont se retrouver sur une base russe, c'est pas le même salaire. Hein, bien sûr. Donc voilà, c'est, si vous voulez, c'est un grand chambardement qui est en train de se préparer. Mais très franchement, je réitère ici toute ma sympathie pour le peuple russe. Je trouve ça inqualifiable, cette diabolisation du peuple russe. En venant ici, j'étais à la poste. J'avais du courrier à poster à la poste et j'ai vu un écriteau disant que du fait du conflit en Ukraine, l'envoi de courrier en Russie était problématique et qu'il fallait se renseigner avant d'envoyer des lettres. Ça, je trouve ça lamentable. Enfin, quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus écrire à ses amis russes? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus avoir d'amis russes? Pourquoi est-ce que les athlètes handicapés russes ne peuvent plus participer aux compétitions internationales, ou les athlètes tout court d'ailleurs? Pourquoi est-ce que la Russie n'était pas présente au concours de l'Eurovision? Je pense qu'il faut savoir raison garder, savoir faire la différence entre Poutine et tout le mal qu'on peut penser de lui et le peuple russe. Malheureusement, depuis plus de 20 ans, Poutine, comme je vous disais, a fait table rase de ses opposants. Donc c'est les gens qui osent parler contre Poutine se retrouvent en prison. Mais pareil pour le peuple turc. Moi, je n'ai aucune hostilité pour le peuple turc. J'ai dédié mon dernier livre à ce grand écrivain turc qui a passé des années en prison, Ahmet Altan, écrivain et journaliste. J'ai toute la plus grande sympathie pour cette intelligentsia turque, comme pour l'intelligentsia russe d'ailleurs. C'est eux qui prennent les risques, c'est pas nous. Hein. Nous, on peut dire tout le mal qu'on pense d'Erdogan ou de Poutine, c'est eux qui prennent les risques. De toute façon, j'ai toujours dit, toute dictature a une fin. Bien sûr. Après, quand vous arrivez à un moment donné que le peuple ne supporte plus... Je n'ai jamais oublié la fin de Franco en 1975. Les Espagnols pensaient que ça ne terminerait jamais, certains. Finalement, Franco, il est mort dans son lit, mais il est mort. Staline est mort, Pinochet a disparu de la circulation. Je pense qu'effectivement, il faut garder l'espoir et je pense que, de toute façon, il va y avoir une recomposition géostratégique à l'issue de ce conflit, c'est inévitable.
et les cartes vont être rebattues, et ça va avoir des conséquences au Caucase. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Poutine, le problème qu'il va avoir, c'est que, comme je disais avant l'émission, il y a une association très importante en Russie, c'est les mères des soldats. Bien sûr. Ces mères, quand ils ne vont pas voir arriver... Qui vont voir les et qui ne vont pas voir revenir leurs enfants, ni les cercueils, parce qu'ils vont demander... Certains ont été enterrés comme des chiens en Ukraine. Hein, où sont nos enfants? Ils continuent de dire qu'il y a eu 2000 morts, en fait, il y a plus de 40 000 morts aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé d'eux. Voilà, c'est sur ces paroles que nous allons vous laisser, chers auditeurs, en exprimant à nouveau toutes nos sympathies pour le peuple arménien, le peuple de l'Artsar, mais aussi le peuple russe, le peuple ukrainien, le peuple turc. Espérons qu'après ce conflit, comme je l'ai dit, une ère nouvelle va commencer et que les peuples vont pouvoir dialoguer entre eux et résoudre les contentieux hérités du passé. Merci beaucoup, Rafi, pour cette participation à notre émission. J'aurais aimé discuter plus longtemps avec vous, mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission. Et pour terminer, on va à nouveau faire un lien. Oui, je vais céder la parole à Rafi pour qu'il dise quelques mots. Mais je précise quand même que pour terminer, on va à nouveau faire un lien avec la Corse, puisque on va écouter une chanson arménienne chantée par le chanteur corso-arménien le plus connu. Je n'en dis pas plus. Peut-être que Rafi, on pourra en dire plus. Rafi, quelques mots pour nos auditeurs? Écoutez, ça m'a fait plaisir de parler à cette radio que j'avais entendu parler par vous et que de m'exprimer. Et en fait, nous, on est en train de vivre un petit peu l'angoisse, si vous voulez, le fait d'avoir cette guerre qui continue en Ukraine et que la peur que l'Artsar est laissé à l'abandon, parce que c'est toujours pareil. Beaucoup de gens ont fait... Les États-Unis ont débloqué 40 milliards il y a 3 jours pour l'Ukraine. 40 milliards. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Artsar? La question est là, quoi. Donc, mais pendant la même période, ils en donnent encore plus, enfin pas les États-Unis, mais l'Europe en donne encore plus pour le pétrole et le gaz à la Russie. Voilà, tout ça, c'est deux poids, deux mesures, voilà. Merci encore. Merci Rafi, et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs et auditrices. Vous n'avez pas dit qui va chanter, au fait? Patrick Fiori. Voilà, Patrick Fiori.
Mania.